Tonton Bichat toujours sous pique, si tout n'a causé qui gagne à ouais à transfert l'argent. C'est peut-être ça, grand monde a utilisé Sendwave, li facile, abordable, rapide et li très sécurisé. Moi, j'aime voyer comme tourner la caille à travers Sendwave. Sendwave rend li plus pratique pour tout le monde en Haïti qui a recevoir l'argent. L'argent cash dans une transfert pick-up ou soit recevoir l'argent sous mon cash et l'agir. Avec Sendwave, moi, j'ai envoyé dollars américains direct sur compte la banque. Téléchargez Sendwave jeudi à même en pays. Partagez l'amour. Le sénateur Moïse Jean-Charles, de retour en Haïti, après avoir visité la Russie, a-t-il rencontré le président Vladimir Poutine? Moïse Jean-Charles! A-t-il rencontré le président Vladimir Poutine? Bon! Madame, monsieur, et Isaïe César, nous crois que nous tous nous dévoilons. Vidéo, ça qui est en boucle, côté que sénateur Moïse Jean-Charles arrivé. La Russie, et il était maquillé tellement, il était mettait bagage sur lui. Bon? Il a tellement mettait partout. Il est vrai dire, oui. Il est vrai dire, quoi, il est vrai dire, oui. En tout cas, n'importe là. Il mettait partout sur lui, partout, grand homme, mais presque pas reconnaître, c'est la terre, moi, je ne sais pas. Mais, mon gars a dit que il n'y a pas qu'à aller, en tout cas, lever des filles. Lui, il veut la Russie, bien entendu, hier. Il était chauffé, retourné dans le pays, donc il n'est pas en vol sur Noise au Cap Haïtien. Il a été accueilli, donc chaleureusement, par ses militants. Mais ça qui paraît dans l'accueil du sénateur Moïse Jean-Charles au Cap Haïtien, c'est qu'il y a toute couleur de drapeau. Il y a un drapeau la Russie, il y a un drapeau Venezuela, il y a un drapeau Cuba, il y a un drapeau haïtien. Et puis drapeau rouge et noir. Et de la peau papa des salines. Maintenant, il était question sur la conférence de presse à certains journalistes. Et dans un homme avec le débat, il dit que il n'y a pas quoi, on monde pensait qu'ils sont monde qui fou. En temps de guerre, en ce temps de guerre, pour le temps une invitation, pour le temps quitter Haïti, pour le faire presque 26 heures de temps de vol, pour le temps là aussi. Et que c'est pas tombé à sérieux dans l'église là aussi. Ok? Donc je viens de lui parler ce matin. Il dit que désir annoncer nous demain matin à 10h dans l'émission matin des pas. Bon bagay. Pour me connaître, ça va aller. Il est même connu. Il me pose une petite question. Il me dit est-ce qu'on est président? Est-ce qu'on est au roi? Il dit nous connaissons. Annoncer nous demain matin à 10h dans l'émission matin des pas. Nous allons parler. Bon, on okay. A bien compté par la Moïse. Captain Président Moïse. Pays a envie qu'on ait un paquet de bail tout. Mais si t'es pour arriver, l'arrive. Il passe Cuba, il passe Venezuela, et puis il est tombé la Turquie, et puis après ça, il est arrivé la Russie. Ok? Nous sommes les affaires Turquie, et ça a coûté le président Jovenel Moïse. Ah bon? Donc, sinon, vous montez, donc, la première information suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Maintenant, nous avons fait débat sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, on continue là rapidement, mais parce que c'est pour ça nous la matin. Et, il y a Jean-Charles qui a rencontré Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Bon, moi, je pense que, et Vlad dit un paquet de bagailles. Rencontrer avec un président puissant comme ça. Et en dehors de pays, ça veut dire un paquet de bagages, vous connaissez. Ouais. C'est après une soufflette pour l'Occident. Ok? Premièrement, c'est après une soufflette pour l'Occident qui était refusé, n'est-ce pas vrai, entrer Moïse Jean-Charles la caillou. Il a coupé visa à Moïse Jean-Charles. Donc Moïse Jean-Charles dit lui-même, pendant qu'il a coupé visa là, il traverse à l'autre bois. Qui ça va le servir avec lui? Nous ne connaissons pas. Sinon que. Et dans les prochaines élections, la balle joue en pile parce que grand pile moun la dans pays ya qui estimait que les États-Unis d'Amérique, OK, non hypocrisie, on dit l'Occident même, non hypocrisie avec peuple haïtien qui a fait face à gros difficultés. Je ne veux dire là, au moins Jean-Charles qui déplacé à l'ouest, président la Russie, hein, voulait dire un paquet de bail. D'ailleurs, déplacé seulement pour la Russie comme leader politique, il voulait dire un paquet de bail.
Très bien. Mon cher, nous maintenant des professeurs Gracien qui s'invitent nous mater quand même à ce sujet. N'a pas toi avec docteur. Docteur Gracien Jean et dans cadre géopolitique et qui ça rencontre Moïse Jean. Alors qui ça déplace Moïse Jean là de Haïti étant alors on possibilité de rencontre. Bon, malheureusement c'est pas encore confirmé. Est-ce que vous avez rencontré? Si tu as rencontré Vladimir Poutine président. Oui. Qui ça capote pour lui? Pour lui ou bien pour pays? Non, pas mal dit directement pour pays, mais en matière géopolitique, psychologiquement, l'a gagné un effet en matière de relations internationales, en termes de pôle sur les États-Unis, les nous condamnent, ça, États-Unis représenté pour Haïti, et pas oublier que nous à quelques heures des États-Unis, disons, c'est 26 heures là, d'ici, on monte à un bus pour aller au Cap, sur un avion, à priver plus vite là, aux États-Unis, qu'arriver au Cap. Donc, il y a un poids. Et dans ce sens-là, il y a un poids géopolitique et ça capable de faire psychologiquement que tant que qu'a réfléchi aux États-Unis, il est capable de commencer à garder dans quelle mesure il est capable de reviser l'autre lecture pour que Paul Saar ne permette pas permettre que vienne gagner une influence en russe en Haïti. Donc c'est là que nous capables et plutôt il y a pas commencé pour monsieur à plus au sérieux. Et il a commencé prendre il était déjà prendre au sérieux. Il a pas augmenté lui mais en termes de leader politique aussi ça a bali un poids un avance voilà. Sur l'autre leader politique et tout. Mais bagala beaucoup plus complexe et que cela pas oublier que dans notre contexte de guerre là entre disons déjà l'Occident genre positionner lui par rapport à avec la Russie donc son contexte extrêmement très fragile déplacement ça autour faut mesurer lecture que mon se a fait à tout son lecture qui très stratégique mais il est pas trop inquiétant. J'en suis capable bailia pour les États-Unis par rapport à Jam Doula et distance qui gagne yo rapprochement qui gagne yo et puis tout poids diaspora il s'est pas oublié que nous avons diaspora qui a presque un million plus qu'un million maintenant et aux États-Unis et vient joindre un programme qui vient augmenter là quand même et malgré tout anti-américain quand même États-Unis jouer sous poids diaspora li jouer sous proximité ça me rend environnement proche que Haïti a représenté pour lui même là mais quand même et mon yo pas sorte quand même il y a suivi de très près pion sa yo cap déplacé qui éventuellement capable mener yon influence russe pas seulement et en Haïti mais dans la Caraïbe et Amérique latine avec déjà avec Venezuela mais quand même yo pas sorte il y a pour dans quelle mesure yo capable mitiger influence qui capable gagner en tout et déjà et yon un élément de mitigation ça que qui mitige question en tout c'est programme parole et comment parole et Biden non que il cap permettre que Haïti déplacer pas oublier que des gros programmes un petit peu similaire c'était après 91 avec Pired et te gon paquet moun ki t'a fait partie surtout militant Lavalas à l'époque ouais te gon bagay comme ça similaire c'est pas pour la première fois gagne un type de programme ça côté que yo reçoit c'était presque même bas là yo reçoit de manière légale on série de migrants haïtiens qui pou devine États-Unis côté yo t'est logé là caille des familles que des familles qui t'est recevoir yo c'est des familles haïtiennes c'est des familles aussi américaines qui t'est recevoir dans plusieurs états et pour question crise humanitaire après coup d'état 1991 là. Bon, en tout cas, donc il n'y a que d'attendre. Donc demain on a gagné c'est notre mot Jean-Jol et peut-être là bah, nous plus d'explications donc sur son voyage. Effectivement, la confirmez-nous mais infirmez-nous si il y a des chances ils font suite à parler donc avec le président Vladimir Poutine. OK. Monsieur, je dis que nous avons une situation qui est très délicate. Et l'école a fermé encore pour question d'insécurité. Plusieurs. Et ceci, c'est plusieurs. Plusieurs écoles. Plusieurs écoles. Dans la région métropolitaine. Donc, l'école petite moins fermée là. Je regarde une vidéo. Excusez-moi, Louko. Je regarde une vidéo de Timounio couché. Ça, c'est traumatisant. C'est traumatisant pour même qui est regardé. Je n'ai pas besoin de parler pour Timounio. Timounio couché. Et puis c'est son bal seulement. On va songer qu'il l'école tout récemment là. Ou bien faire un c'est grave, ça c'est grave.
Donc, moi, c'est vraiment, et gagnant pour un pleur là, extraordinaire. La question du kidnapping, monsieur, m'a pas bon menti, et une question, même si amateur qui t'a voulu improviser tête en gang, il est facile pour lui pour kidnapper n'importe qui monde. Ouais, ouais. Tellement que la police facile. Pas de contrôle de questions gang, de questions négatives kidnapper monde pratiquement dans le pays. Et il y a une liste, selon l'information que nous gagnons, et négo clair en un moment, il a perdu trop de temps dans le malheureux. Parce que les gens font malheureux, ils ont moins de 100 000 dollars américains, 200 000 dollars américains, ils ont qui misé. On paquette. Pour le pot, 100 000 gouttes. Hein? Pour le pot, 200 000 gouttes. Et au moins des niveaux 300 000 gouttes. Ah oui. Kounia, c'est son visage qu'il a regardé. Ouais. Et il a regardé qui monte comme si c'était gado, dans le sens, est-ce que Mounta, apparemment, c'est du gado sous apparence. Oui, sous apparence que si Mounta a roulé telle machine, et il a capé tel cob. Et par exemple, non. Dans notre cas, nous, il faut que je me dise que, et m'a rappelé pour me dire tout le monde que l'argent, mon cash, nous avons un bail là-bas, l'argent qui est dans la poche, ni Louko Dezi, ni Isaïe César, ni directeur général Patrick Joseph. Oui, il m'a cherché. Et dis-moi, cash, il m'a cherché. Il m'a cherché là. L'important pour nous faire pour ça, matin, monsieur. Ok, pour nous dire tout le monde dans le pays, ok, l'argent, nous avons un bail ici, dans mon cash. C'est pas l'argent personnel, Louko Dezi, l'argent qui est dans la poche Louko. Mais même tellement il y a un tellement il y a un problème. Ok? Tellement il y a un sous dôme. Je dis tout le monde ça, pour tout le monde, pour toute la République qu'on est. Ok? L'argent, mon cash, mon bail ici, dans la radio éclair. C'est pas comme nous! Non, c'est pas l'argent qui est dans la poche Louko Dezi. C'est pas l'argent qui est dans la poche Patrick Joseph, ni. C'est pas l'argent radio éclair. C'est l'agent ami matin débat qui dans diaspora. Donateur. OK? Qui croit dans matin débat, qui veut faire don, qui estime que les cobla passer par matin débat, cobla aller exactement côté li doit aller. OK? Donc à maintenant tout d'abord que Louko Dezi gagne l'argent parce que gagne l'argent mon cachement bail et que gagne l'argent c'est 6 000 ans cela, Louko Dezi pas gagne l'argent. Ma boule en vieille machine jusqu'à présent moins 12 sous lui donc non. Non, de sous lit. Bandi, on fait la loi tout côté de pays. Bon. Non, c'est dur. Ouais, question l'école ça que vous évoquez là Louko mon cher et nous fait presque toutes alors 5 dernières années ou là, c'est presque même réalité à chaque année. Ou imaginez chaque fois arrivé dans septembre, problème à gauche à droite, octobre, on doit nier à bala t'es plus difficile, ou arrivé dans novembre pour qu'on l'école, et finalement le dérivé en janvier, l'école balancée, et je vous dis, on est en mois de mars, voilà la situation, son paquet l'école qui a fait mes potes là, question insécurité a encore une fois, eh ben, nous trouvons dans la même réalité. Là. Oui, mais quelque part, monsieur, ça, il semble qu'il y a un problème quelque part. Et là, moi, c'est que pour ça, c'est qu'il y a des commentaires là. Écoutez, vous parlez de d'envoi de troupes qu'a parlé. Que vos militaires vont forcer étrangères dans le pays. Bon, écoutez,
ce que vous devez comprendre, nous-mêmes qui c'est de l'Occident, l'opinion est déjà d'accord. Peuple haïtien âgé nous déjà assez. Non, pas quoi qu'il y a des bases ou ça. Il y a des bases ou ça. C'est tout haïtien ou ta questionné là, fait micro trottoir. Tout le monde dit, c'est blanc, Hapton. Donc tout le monde dit, on soulage, moi je dis, ah là. Pas quoi blanc, besoin de l'autre bail. Moun qui vous dit ça, moun baga bail, menti là. Le peuple haïtien est déjà âgé nous. Ah. Et l'opinion est déjà d'accord. Tout le monde d'accord que faut qu'on coupe étranger qui vient là. Il n'y a pas besoin de faire toute stratégie. Mettre gang dans la rue, augmenter gang dans la gomme pour amplifier bagala pour montrer que les vins plus nécessaires. Bon, nous d'accord déjà. Nous d'accord, nous d'accord. Nous n'avons pas besoin de mettre plus gang. Nous n'avons pas besoin pour plus de l'amour dans le pays. Nous n'avons pas besoin pour plus de la kidnapper dans le pays. Les pays sont d'accord déjà. Nous mettons fesses à l'affaire. C'est comme si quelque part, il y a un problème quelque part. Comme si son sécurité à 7 ans qui ont volume. Et puis, quand on a qui a contre le volume, non? Augmenter. Il a le volume dans le il descend dans le lèvre. Non, il va normal. Il va normal, en tout cas. Bon, je vais quitter le message pour le monsieur. Et les Nations Unies ont responsabilisé les États-Unis de la contrebande des armes modernes en Haïti. Oui. Et c'est dans le moment ça, tout, même États-Unis d'Amérique, ça. Qui était un représentant et PAL, qui c'est. Alors, qui sont américaines, Madame Lalim. C'est ça. Ils vont remplacer là, ok, ils vont remplacer Madame Sa, Maria. Par l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, Maria Isabel Salvador Crespo, qui t'a dû remplacer Madame Lalim dans le jour qu'il y a eu, ok, qui pourrait être représentant spécial. Et secrétaire général des Nations Unies, Madame Lalim a quitté poste le 26 mars qu'il vient là. Très bien. Oui, mais maintenant, écoutez, la situation à quoi? Quelle suite qu'on va donner à ça? C'est les Nations Unies qui accusent les États-Unis. Ah oui? Nous-mêmes, nous avons débattu pour l'élection dans le Britain. Oui. Depuis presque un an, Abdil. Et un peu le journaliste ici peut dénoncer les États-Unis d'Amérique qui va prendre responsabilité là à un certain niveau. Ou est-ce que l'on commence à dénoncer par ça? Qui vous fait que, ouais, vous commencez là à gagner des gouttes, nous sommes des mounes. Ok, dans la question de Katamaozo, nous avons dénoncé les États-Unis qui quittent nos passoires, nous avons quitté les armes entrées dans le pays. Le Canada, on nous dit, c'est domaine. Nous avons dit que, par exemple, c'est domaine, c'est un plus gros espace et financement. Il y a bail à gang Katamaozo. Nous, même dans le débat, c'est après ça, vous pouvez regarder le FBI pour aller mener une enquête. Vous pouvez aller, ouais, tout bon vrai. Que ce domaine, c'est un pays qui a déstabilisé le pays d'Haïti à travers gang. Il va comme ça. Et c'est Maté Débat qui fait ça. Mais il y a un bon journaliste dans le pays qui paie. Monsieur, pour pouvoir essayer de visa, pour dire que, ou bien dénoncer États-Unis d'Amérique, l'axisme États-Unis d'Amérique, dans quatre dossiers. Oui, mais écoutez, c'est une logique, c'est ça. Quand les amis sont sortis, écoutez, États-Unis, c'est qui ça fait plus comme États-Unis fait plus comme dans la guerre. La guerre, ouais. Ok. Tu as dit que ces armes les fait, ces armes les c'est la caillou les fait. Elle dit, c'est machin d'armes. Machin d'armes. Donc faut que les jeunes marchent pour le coup les amis. Elle dit que combien d'armes sont ils? Amis, c'est un bateau. Chaque bateau venu tendez. Yeah. C'est si tant d'armes la donne. Côté bateau sont sortis États-Unis d'Amérique. Donc si vous voulez quelque part au niveau des États-Unis d'Amérique, nous voilà plus. Comment est le côté niveau là? Mais ces dames. Hey, Eloy, c'est Kounia qui est en train de me dire. Oh, c'est qui ça? C'est Kounia, écoutez mon frère. Moi, je me demande si vous l'avez privé. C'est pas pour me légaliser que ce soit pour pour le normal, pour chaque monde marché, avec un homme manche longue des machines. Parce que bandit en tout, il fait mourir. Là, qu'on a une manche longue, ok? Il va peut-être attaquer. Ouais. Mais, pour ça qui est là comme ça dans le pays d'Haïti, c'est pas pour le cap-carré demain matin, non? Non, situation compliquée. Okay. Et nous ne pouvons pas monter sous les comme ça. Mais les Nations Unies, quand il y a les dénoncés aux États-Unis. C'est quoi, Col? Okay? Ouais. Maintenant, nous allons regarder qui suit. Qui suit ça, Balbaï? Ah ouais? En tout cas, monsieur, je m'a pris de monsieur, ma bête venue peut-être dans faire émission. Gon arrive, gon fait inédit. Et m'a parlé avec l'avocat tout à l'heure. Bon jeune garçon de 17 ans. Oui. Monsieur Emmanuel, ok, que ménage lui violer, et puis ménage lui fait 4 autres amis fil violer le tout. Oh! Quelle méchanceté!
J'entends là. Yo fait garder action monsieur. Yo fait garder action monsieur. Ça va encore rire loco. Yo va faire garder action. Bon, on va prendre les déjà. Hein? On va brûler. On va brûler. On va brûler. Eh ouais. Vous avez dit quitter le marché? Merci à vous. C'était avec nous, président Louko Désir et l'homme de conviction pour changement. Ou c'est un monde qui prudent, ou c'est un monde qui prévoyant, ou c'est un monde qui a marché sous 13 pour pas piler 14 dans États-Unis, ou c'est un monde qui t'a remis fait un pile propre dans taxe année ça, ou c'est un monde tout qui pas vle dans problème avec tonton Sam. Référence là par l'autre qui est Olivier Pierre. Olivier Pierre qui plusieurs années l'a servi communauté à dans question rempli taxe. Le rempli taxe avec Olivier Pierre, ou jouer maximum refund ou t'as supposé joindre sans que ou pas besoin paniquer pour problème audit ARS. C'est tout client yo qui a témoigné de bons services yo joindre chaque année. Nommé Olivier Pierre. Rélé Olivier Pierre, je dis à même pour mettre rendez-vous pour là. Dans 954 328 74 99. Ou bien, visitez l'adresse libre qui c'est 750 East Saint-Paul, Building 3, 240, Pompano Beach, Florida, 33064. Checkez Olivier pour taxe pour le bon maximum return que nous supposons gagner. Avec Olivier Pierre, tout problème taxe résout.